Yo pas tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex Elpa. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous en forme, que vous allez tous bien. Épisode numéro 4. Donc on a eu notre victoire, la première victoire de la Premier League. Et là, on continue avec notre aventure. On est chez nous, tranquille, avec notre grand-père. Izzy, notre mère. Tu bosses encore là-dessus? Il faut que je le rende demain. Il faut que tu avales ça, tu auras fini en moins de deux. Michael! Non. J'ai de sacrées nouvelles à t'annoncer, jeune homme. D'accord. Jim, Catherine. Michael, vous arrivez pile pour le petit déjeuner, prenez un café. Volontiers. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Les grands clubs savent repérer les joueurs à fort potentiel et t'as été étincelant aux États-Unis. De quoi tu parles? Disons que j'ai eu une conversation très intéressante avec des représentants des plus grands clubs européens. Le Bayern, le PSG et l'Atlético. Oh, et je viens juste de raccrocher avec un type qui représente... qui, déjà? Ah oui, c'était... les Merengue. Sérieux? Le Real Madrid. Le Real Madrid? Rien que ça. Il semblerait que monsieur ait laissé quelques souvenirs aux États-Unis. Bon, c'est que le début. Mais il souhaiterait te faire venir avant la fin du mercato. C'est... de la bombe dans la conscience. Des stars, des affiches de rêve, un contrat de rêve. Tu jures que c'est vrai? Dis-moi que c'est vrai, s'il te plaît. Tu sais que c'était mes idoles quand j'étais enfant. Raoul, Roberto Carlos, Zidane. Non mais sérieux, t'imagines? D'après ce que l'agent m'a dit, c'est très bien engagé. C'est un honneur, bien sûr. Mais tu n'as que 18 ans, Alex. Justement. Tu sais que ça tient du conte de fées, je te l'accorde. Mais la pression, il faut y penser. Là-bas, tu seras tout seul. Justement. Et avec une telle équipe. Tu ne seras sûrement pas titulaire. Titulaire. Tu auras beaucoup d'autres opportunités dans ta carrière. Maintenant, je trouve ça plutôt risqué. Tes supporters, ils vont pas oublier. Pas ça, tu peux me croire. Je sais, papy. Mais c'est peut-être la chance de ma vie. Regarde ce qui est arrivé à papa. Oh. Je t'interdis de dire ça. Tu n'es pas Harold. Je sais que ça fait beaucoup de choses d'un coup. Mais il faut aller vite, sinon il risque d'envisager d'en prendre un autre. Bon. Si tu as l'appui de Michael, et si c'est ce que tu veux vraiment. Que te dit ton cœur? Attends, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit, maman. Comment est-ce que je pourrais dire non? Ça prendra encore quelques jours pour tout officialiser, mais en attendant... je souhaiterais que tu sois étincelant en début de saison, d'accord? Ça pourrait sacrément faire monter les enchères. Le Real Madrid! Non. Moi personnellement, désolé les gars, je ne serais pas allé. Je ne serais pas allé au Real Madrid. Tout simplement ce qu'a dit notre grand-père. Real Madrid, on n'aura jamais de la vie de la place. Arrêtez les gars, il faut arrêter. Voilà, tout le monde en parle déjà. Hein. J'espère que le rumeur transfert d'Alexander au Real Madrid, c'est du pipeau, il doit rester à Manchester. Je suis étonné d'entendre que le Real est intéressé par Alexander. Il n'a pas le talent pour jouer au Bernabeu. Là par contre, il a raison le mec. Hein. Gareth Walker, j'ai entendu dire qu'une rumeur annonçait Alex pourtant... pour le Real Madrid, si ce soit Contretti, j'en serais le premier surpris. Ouais. Ça c'est notre... oh les rumeurs... Moi personnellement je serais pas allé au Real les gars, c'est... arrêtez, il faut... on fait l'entraînement et on revient tout de suite. Chier. Moi je veux pas partir, je veux pas aller au Real, casse les pieds. Qu'est-ce que je fous au Real? Je suis mieux terrain, il y a Kroos, il y a Modric, il y a Isco, donc il faut arrêter les conneries aussi. On a 3 attributs à mettre. Passe courte. Mauvais pied, volé. Mauvais pied. C'est tout. Ça me saoule. On a quelques nouveaux trucs dans la personnalisation.
Tiens, on met ça. T-shirt, on a celui-là. Bon, allez, on le met. Voilà, c'est parfait. Voilà. On a apparence, on a quelque chose de nouveau. Ah ouais, on a des nouveaux, d'accord. Donc on n'a pas besoin. Tenue, on n'a pas besoin non plus. Allez. Prochain match. Contre Brington, je sais pas quoi. On va y voir. Encore un mensonge, j'imagine. Alors? Bah là, c'est vrai qu'ils vont pas la prendre bien. Quand je t'ai manqué, j'allais t'en parler, rien n'est encore fort, j'allais t'en parler. J'allais t'en parler. Mec, j'avais l'intention de le dire, après le match quoi. Peut-être, mais on aurait dû l'apprendre autrement. Bon, les titulaires dans le tunnel, les remplaçants sur le banc. C'est parti. On parle que de ça sur Internet. Les supporters, ils sauront. Félicitations, mon ami. Allez, viens. Ouais. Ouais. Moi, je vais pas partir, mais bon, si on n'a pas d'autre choix, voilà quoi. C'est... Je peux rien faire, les gars. C'est pas de notre faute. Alors, nos objectifs, le premier bien sûr on l'a niqué parce que voilà, hein, on pouvait pas, donc il faut faire 6 points. Je pense que c'est les 3 premiers matchs. Donc au moins 6 points dans les 3 premiers matchs. Là on en a déjà 3. On peut gagner le prochain, on a 6 points. Et ça c'est fait. On monte la valeur du transfert jusqu'à 10 millions. Ouais, pour avoir 10 000 abonnés. Un petit point rapide peut-être sur le contexte de ce match pour Alex Hunter, Pierre. On verra. Ah, on sait tous, il y a des rumeurs de transfert vers le Real Madrid. Pour le moment, on parle maintenant de ce truc avec le Real Madrid. C'est pas trop à certains supporters. C'est pas beau. C'est pas beau d'entendre, c'est pas beau de voir. Moi, de toute façon, je veux pas... Faute. L'arbitre qui accorde un coup franc et qui va... Je veux pas donner... Je veux pas aller au Real, mais bon... Ah non, il n'y a pas à discuter. C'est le jaune. Je pense que c'est lui le patron. Passe-moi ici. Et moi je tire. Faute, penalty. Penalty. Ouais. C'est un penalty. Penalty. Ce sera donc un coup franc suite à cette intervention. Excellent engagement pour l'arbitre. Ça fera donc coup franc. Coup franc. Ok, il est un peu ailleurs. Mais là-dedans. Hein. Ouais. Bien joué. Bien joué poteau, viens ici, je veux bien t'embrasser frère. Voilà donc penalty, on l'a procuré, c'est nous qu'on l'a procuré. La bonne course de l'angle du tireur et puis derrière il marque. Lui elle remportée donc face au gardien, c'est propre. Oh elle a mis plein dans la nuque. Qui est bien, qui mène, bien donc 1-0 tout de suite, troisième minute de jeu. Pascal Gross. Pourquoi pas. Et c'est à nouveau moi qui prends les ballons, hein. C'est toujours moi, allez, je te lance. Allez, après tout, pourquoi pas, Jamie Verdi. Tire. Bien joué. Bien joué, Verdi. Ah, le mannequin challenge. Bien joué. Bien joué, Verdi. 2-0. Putain, on n'est pas en train de souffrir, les gars, là, dans ce match. Ça va. Magnifique. Prenez la balle les gars. Il touche bien. Oh, le but. Magnifique. Quel de fou. Ce but, elle est superbe. Et puis après, il y a l'exploit individuel qui est pas mal non plus sur la fin. Et puis avec un bon sang froid pour prendre le gardien. Un petit but d'avance donc. Le score est 2-1. Attention, ça peut être dangereux. Il porte son duel. Il est facile là. Ah, ça ne passe pas. Hein. Un petit mot sur. Dommage qu'il a tiré aussi fort. Il aurait pas dû.
Voilà, ouais. Léger avantage. Première mi-temps terminée, 2-1-1, on n'est toujours pas à l'abri. Hein. On n'est toujours pas à l'abri. Il faut qu'on marque plus. On a fait 13 tirs, 7 cadrés quand même beaucoup. Mais il faut faire beaucoup plus. Il faut faire beaucoup plus. Parce que 2-1-1, je ne suis pas rassuré. Moi, je ne suis jamais rassuré quand il y a 2-1. Quand ça serait, la 3-0, ça serait une autre chose, une autre histoire. Mais 2-1-1, ça fait mal. 2-1. Oula. Mais la défense s'est dégagée. Grand soulagement de gardien. Merci. Tac. Verdi. Et voilà. Eh oui. Bien joué. Triplé. Et ça, c'est pas créer une occasion. Vous foutez ma gueule là. J'ai pas créé une occasion là. Avec ma passe de ouf. Hop, tac et tac, tout d'une première. Voilà, là on est plus tranquille. 3-1. Toujours aussi précis dans ses passes. Maintenant on va dire attention là. Markel Brighton. Jamie Verdi. Ouais, tu peux me passer quand même. Choisis la frappe. Oh, le but. Oh, le superbe but. Je vais envoyer à tous ceux qui le critiquent en ce moment. Oh, le superbe but. Même pas moi je sais ce que j'ai foutu. C'est un but qui leur permet de prendre leur distance au tableau d'affichage. Ah, il y a personne qui est venu. Il s'est senti un peu tout seul là. Beau but. Beau but. Il semble prendre un avantage quasi. 4-1. Magnifique. On a fait. Et voilà qu'on a terminé ce match. On a superbement bien joué. On est, je crois, même l'homme du match. C'est un bon bilan pour lui. Bardi, la triplée. Si il va vraiment s'envoler pour Madrid. Oh, il casse les couilles avec ces trucs de Madrid. En plus, Madrid, il aurait besoin d'un milieu de terrain. Je suis curieux de savoir cette histoire avec le Real Madrid. Il y a quelque chose qui est louche, les gars, parce que je sais pas. Voilà, ça continue. On verra. Bonjour, chérie. Bien dormi. Je vous remercie d'être venu me voir hier soir. J'avais vraiment besoin d'être avec vous. Ouais, c'est une situation pas facile. On sera toujours là pour toi, mon grand. Entrez. Vous avez vu ? Vu quoi ? L'information est tombée plus tôt dans la journée avec des images d'Hunter portant un maillot du Real Madrid. La rumeur... C'est pas du tout ce qui s'est passé. T'inquiète pas, c'est normal. Ça fait partie du cirque en période de transfert. Normal ? J'ai plutôt l'impression qu'on ne contrôle plus rien. Toujours pas d'offre officielle ? Ça, c'était en fait. Oh, tous les grands clubs bouclent leur transfert à la dernière seconde. J'ai rendez-vous avec lui ce soir. Tout devrait être conclu avant minuit. Il faut rester confiant, d'accord ? En tout cas, j'espère que tout ce que vous faites, c'est dans l'intérêt d'Alex. Je t'en prie, papy. Recommence pas, s'il te plaît. Est-ce que Michael nous a déjà déçus ? Il y a quelque chose de bizarre. Même là, la photo avec le tricot de Real, c'était avec celui-là de Ronaldo quand on avait changé le maillot. Donc là, on voit, par exemple, dans la vie d'un footballeur, comment est-ce que la presse peut causer des problèmes à la personne. Comment c'est abusé, franchement abusé. Entraînement, on passe, on revient tout de suite. Voilà les gars, donc on a fait l'entraînement, hein, on saute toujours l'entraînement. Et on continue. Donc Leicester Tottenham. Oh la madonna. Tottenham. T'es sérieux, frère? Tottenham. On est là. Tout le monde nous regarde bizarre. On va mettre ta clé de remplaçant. Ah, je suis sur le banc. L'entraîneur estime que t'es trop dispersé avec cette histoire de transfert. Franchement, je suis d'accord. Mais non, je vous assure, tout va bien, c'est promis. Personnellement, j'espère que tu resteras. Ah,
Ah, c'est une galère, et moi je la sens pas cette histoire, je la sens pas. Comme si Lorraine elle aurait besoin d'un 18 ans pour remplacer tout aujourd'hui. Donc ouais, c'est pas nous qu'on joue sur le banc. C'est l'entraîneur qui a décidé cela. Les deuxièmes. C'est lourd, c'est très difficile. Oula! Tout le monde est en train de me niquer, quoi. C'est normal. Moi, en tant que supporter, ouais. Je sais pas comment. On est à quelques secondes du coup d'envoi. Alex Hunter n'est pas titulaire, hein, c'est Renan Jaunier. Est-ce qu'il faut y voir un signe, Pierre? Un signe qu'il est déjà parti? Bah oui, j'ai vraiment l'impression que l'entraîneur ne compte plus trop sur lui déjà. L'occasion peut-être. Eh bien, quel premier but de Tottenham. Déjà l'ouverture du score. Hey, écoute un peu les supporters, il y avait déjà une ambiance bizarre suite aux rumeurs de transfert d'Alex Hunter. Mais alors là, on est passé à autre chose. Hein. Oh, le cafouillage en défense. Une nouvelle occasion. Ouais, le deuxième but. C'est une catastrophe en défense. Les mecs se parlent pas, ils se font punir aussi sec. Le public qui fait entendre son mécontentement, mais Alex Hunter est toujours assis sur le banc des remplaçants. Bon, attention à cette nouvelle offensive. La situation qui s'aggrave encore. Regardez d'ailleurs la réaction de l'entraîneur. 3-0. C'est l'heure. Quoi, c'est nous quand on rentrait. Putain, avec 3-0, arrête. Tu vas te les remettre dans la poche. Tu vas te les remettre dans la poche, t'es sérieux, frère. Je peux faire les oublier, j'ai pas envie de partir comme ça. C'est toujours mon club. J'ai pas envie de partir comme ça. C'est toujours mon club. C'est encore mon club. Ouais. Parce qu'ils veulent pas te voir partir. Toujours mon club. C'est un peu l'envoyer au casque. Il se fait 3-0, son équipe est réduite à 10. Impressionnel boss, 6. On va voir s'il peut apporter trop quelque c'est chose. Trop, alors, c'est aussi, un... s'il a sorti la tête au Real Madrid. Mais il a déjà certifié. Ils vont quand même que les supporters revenir avec trop, quelque chose. L'ambiance de malade. Putain, ça nous met de la putain de pression, frère. MDC, c'est ça. Ça nous met de la putain de pression. Les 30 derniers mètres. J'ai peur. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Voilà. Harry Kane qui frappe. Harry Kane qui peut marquer certainement. Harry Kane qui marque. Cette équipe a dominé une bonne partie du match. Et ça commence vraiment à se refléter au tableau d'affichage. Désormais, l'écart est très très net. Si, arrête. T'as pas qu'on prend le ballon, c'est sifflé. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Mais là. Voilà. Denis Rose. Oh, c'est bien donné en profondeur. Et Eriksen, qui a un truc à faire là. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Un bon ballon d'attaque. Il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Il prend sa chance. Un petit voilà. Marque, mais je crois que ça ne changera pas grand chose. Il aura quand même eu le mérite de ne pas baisser les bras. Rappelons qu'il y avait 3-0 quand il est entré sur le terrain. Jamais il n'en trouvait sa place dans l'attaque du tac. Qui a un peu constaté une fois de plus le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien. On peut pas faire grand chose. Souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. Et la marque qui est maintenant de 4 buts à 1. Ouais, la frappe. Bon, dégagement, sans se poser de questions. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Ça passe. Avec un tir. Oh, ouais, il repousse, ça joue. Voilà. Son ballon, il marque. Enfin. Heureusement, enfin. L'équipe qui joue en infériorité numérique. Putain de merde. Qui marque.
La défense peut poser des questions quand même. Gros moment d'absence, c'est le problème collectif là. Il met la présente entre 10 à 2. C'est à l'instant même la fin de ce match. On n'a pas pu faire autrement, c'est comme ça les gars. Et je marque un but, je peux pas sauver. C'est impossible, c'est quand même Tottenham, hein. C'est pas n'importe qui, hein. J'ai fait de mon mieux. Voilà, j'en ai fait 4, on va venir un peu plus faire au moins un nul, ouais. C'est impossible. Comment tu veux faire un nul? C'est impossible. Comment vous voulez que je fasse un nul? Je peux pas faire un nul. C'est impossible. Nous revoilà. Sortir. C'est qu'on abandonne le club. Qu'on le laisse. Ouais. Alex, même si on met de côté la défaite, ce match a dû être éprouvant pour vous. Vous avez demandé un transfert et les supporters vous ont pris en grippe. Qu'avez-vous pensé en entrant sur le terrain? Ouais, ça c'est la personnalité, machin, ouais. Passion, ouais. Je voulais montrer aux supporters ce qu'ils n'auront plus. Je voulais montrer ce que le club représente pour moi. Je voulais faire taire les sifflets et nous relancer dans le match. Je voulais faire taire le public et nous remettre dedans. Tant que je serai ici, je me donnerai à 100% dans tous les matchs que je disputerai. Mais ce n'était pas votre dernier match avec ce club. Il faut poser la question aux dirigeants. Moi, je me concentre sur mon jeu. Je fais tout pour gagner chaque match que je dispute. Merci, Alex. De rien. C'est con que là, on n'a pas de choix. C'est con. C'est bête. C'est très bête qu'on n'a pas le choix parce que moi je voulais pas aller au Real. Bref, en tous les cas les amis, je vous laisse ainsi cette vidéo, l'épisode numéro 4 qui vient de se terminer. On parle de cette rumeur avec le Real Madrid. Moi j'ai quand même quelques pressentiments que ça a l'air d'être du pipeau. En tous les cas les gars, laissez un commentaire, laissez un like en dessous de cette vidéo si ce épisode numéro 4 vous a plu. Et avec ça je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ici votre Elpa. Peace tout le monde.